Amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, bikoum. content de vous retrouver sur Oumma TV, où aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos chroniques en rapport avec le calendrier islamique, nous allons, dans le cadre du mois de, du Ramadan, aborder une autre, une autre, un autre événement historique, très important, dans euh, l'assise même de l'islam, qui est le retour... À la Mecque, du prophète et des musulmans, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la conquête, la prise de la Mecque, Fath Mecca. Et ce, par la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wassalatu wa salam, ala Habib Habibna al-Mustafa, Habibullah, Sayyidi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un événement euh, important va se produire euh, qui va être la reprise de la Mecque. La reprise de la Mecque très rapidement, puisque là encore je vais me concentrer sur un ou deux événements particuliers euh, de ce moment historique, qui est la reprise de la Mecque. Il intervient, donc il y a eu euh, un projet de Ramra qui s'est fait à une certaine époque, qui, de mémoire en l'an 6, qui va être avorté parce que les Quraysh ne vont pas vouloir laisser les musulmans arriver à la Mecque. Donc il va y avoir un endroit, Houdaibiyya, qui s'appelle Houdaibiyya, où les musulmans et les Quraysh vont se rencontrer et il va y avoir la signature d'un traité de paix. Qui va déboucher d'ailleurs sur la révélation de la sourate El Fatr. Et puisque l'on est là dans le Fatr Mecca, on s'aperçoit qu'il y a nécessairement un lien entre la sourate El Fatr qui descend à ce moment-là. Et quelques années plus tard, le Fatr Mekka, donc la conquête, la descente, l'ouverture de la Mecque à l'islam, puisque si le prophète, sur le moment, a vu la signature du traité, bien que ça les empêchait de faire la Omra donc le petit pèlerinage, si lui a vu, a vu ça comme une victoire, notamment avec la révélation de la Sourate al-Fatr, qui est l'ouverture, mais qui est la victoire ou la conquête, les musulmans l'ont vu à l'inverse. Donc un traité de paix va être signé, puis il va être rompu puisque les païens de la Mecque les Quraysh vont le rompre en attaquant une tribu qui dépendait de l'autorité islamique. Et à partir de ce moment-là, le prophète va mettre une armée sur pied en disant le, le pacte a été rompu. Donc à partir de là, sachant qu'on est en force, on va arrêter les tergiversations, on a essayé de vivre en paix et de pouvoir